Anonymous soutient l'opération Crescendo 2017 contre l'injustice. Seconde célébration publique samedi 25 février 2017 à 14h30. Trocadéro, Paris. Jean-Jacques Urvoas, oui, toi, élu de la République, momentanément ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est à toi que nous nous adressons. Stop aux forfaitures et corruptions judiciaires. Stop à la loi du silence et du mensonge. Stop au logiciel Omerta, qui enterre les dossiers poubelles, impliquant des agents de l'État délinquants ou criminels. Trafic d'organes et de cadavres en hôpitaux publics. Placement abusif de mineurs. Parents protecteurs d'enfants violés, persécutés par les violences judiciaires. Patrimoine dérobé par des réseaux de délinquants utilisant les institutions de l'État. Mensonges, faux en écriture publique. Détournement de preuves. Trafic d'influence au sein de la grande famille de la fonction publique. Victime piétinée, affaire étouffée. Plus de 15 ans de déni de justice et de maquillage de la vérité par les fonctionnaires et les magistrats. Cela suffit. Citoyennes et citoyens, frères et sœurs de tous les peuples, exigez avec nous la fin de la loi du silence dans l'administration de la justice qui protège délinquants et criminels, élus et membres de la fonction publique. Affaire emblématique Eliane Kabil. Trafic d'organes et de cadavres. Plusieurs actes de décès pour une seule personne. Plusieurs cadavres dans un seul cercueil. Nous voulons savoir la vérité. Institution de lâcheté, a osé dire le président Hollande, à propos de ta magistrature. Jean-Jacques Urvoas, trop de tes magistrats utilisent le logiciel Omerta, aux dépens de milliers de victimes des trafics d'influence, et au mépris de toute idée de justice. Nous voulons savoir où est passé le corps d'Eliane Kabil, et que les auteurs de ce crime organisé soient confrontés à leurs responsabilités. Affaire exemplaire Sandra Bertin. Mensonge et maquillage, pour cacher une nouvelle poubelle d'État, pleine de sang, et faire taire une fonctionnaire intègre. Il est temps que cela cesse. La loi du silence et du mensonge. C'est fini. Anonymous attend la participation internationale de tous nos sistas et bros. Diffusez autour de vous, venez nous rejoindre ou participez comme vous pouvez à cette opération sans précédent historique qui se poursuivra jusqu'au 7 juin 2017. Crescendo.